Hello, ici PRJV13 et bienvenue aujourd'hui sur Amnesia The Dark Descent. On commence une nouvelle partie. Fait qu'on va le nommer avec mon nom. Sélectionné. C'est un jeu d'horreur que ça fait un certain temps qu'il est sorti, mais vu que je l'avais depuis un certain temps aussi, je me suis dit, tant qu'elle la voit aussi bien faire le tour, puis en plus de filmer ça, ce serait drôle. Fait qu'on commence à partir du début. On y va! Don't forget, some things mustn't be forgotten. Oh, je peux bouger. Shadow hunting me. I must hurry. No. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am... Daniel. T'as pas l'air sûr. Pas bien de prendre la boisson. Oh! Qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête de faire du bruit. Mais je l'emmène de veille, c'est ça qui arrive quand on boit trop. Oh, excusez. Ça me pique le nez. Oh, j'ai flou, man. Ouh! Oh! J. Ah, man! Si. Je sais pas si vous le voyez, mais. Comme un décalage de couleur avec les enfants marqués. Aucune note est disponible. Non, je peux pas prendre de note. Journal intime. Rien disponible. Mementos. Suivez la traînée de liquide et trouvez sa source. Ouais, mais tant qu'à être pacté aussi bien avoir une mission. On ne pas où c'est effondré. Oh boy, non. Est-ce quelque chose ici? Ah ben oui, il y a quelque chose ici. Prends-moi ça. Ah, ok. Ça, c'est ma santé physique. Ça, c'est ma santé mentale. De préférence, la santé physique, faut la garder. La santé mentale, c'est une bonne chose de la garder aussi. Boîte d'amadou. Utilisée pour allumer... Ok, ouais. Ça sert à allumer les torches pour ces affaires-là. Comme les chandelles. Il y a beaucoup de courant d'air ici. Vous savez pas fermer les fenêtres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne ici? Non. Aïe, aïe, ça fait un bout que j'ai pas le voir ça, ça paraît. J'avais pas fait le tour du jeu. Voyons. C'est-tu la lumière qui te dérange? T'es-tu un vampire? Il y a une grande porte ici. Ok, c'est pas touche. Yes. C'est rien passé. Ouh! Du linge. Mais non, je peux pas prendre le linge. Je peux même pas voir si je suis habillé, je vois même pas mon corps. Y a une pièce ici. Les traînées vont là-bas. Ça a l'air d'une invitation, une porte qui s'ouvre. Tu marches, tu croches. Ah! Une autre boîte d'amadou. On va les amadouer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je vais prendre la chaise. Ok, non. Ok. Comme je vous dis, ça fait un bout que j'y jouais. Oups, je t'ai cassé. T'étais vide de toute façon. Et toi? Oh. Ah oui, je me rappelle là. C'est ça pour prendre, puis l'autre pour pitcher. Et voilà. Un peu, bouton de... Bah, oh. Yeah, je suis winner, moi. Je l'ai indiqué dans le front, puis je lis même pas. Yeah! Eh ben, il va falloir faire le ménage ici. C'est tout sale partout. Toc, 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 qui est là? Personne, tant mieux.
Man, c'est bizarre, tu penches, le grain. Tiens-toi de bout. What? Attends un peu, je vais t'emprunter. Causu qu'il y a quelque chose. Il shake-tu vraiment? Ben ouais, crème, c'est pas moi qui shake. Non, ben nerveux, toi. Je pouvais pas, man! Non! Ah! C'est tout flou, mes yeux! Jolie déco, pareil. Sauf que c'est vraiment le bordel ici. L'autre porte qui s'ouvre. Je trosse pas ça. Hein. Eh! Fiu, c'est juste. C'est juste ça. Ouais, tu me courras pas après, t'as plus de tête à ce temps. Et merde. Excusez. Boîte de madou ramassée. Ça va toi, mental? Léger mal de tête. Je connais un remède pour le mal de tête, mais vu que t'es un gars, ça marchera pas. Ah, y'a rien là-dedans. Qui se font mettre sur les croix. C'est qui invente? C'est qui veut déco de même chez eux? Est-ce que mon micro est correct? Oui! Ok! J'ai oublié de le checker juste avant. L'autre fois, dans Five Nights at Candy's, j'avais comme pas le micro bien placé, puis... Wow! Et merde! Pas une poussière dans l'œil? Attention lorsque vous êtes dans le noir, votre équilibre mental, ouais, ça drop. Allumer les lumières, t'es-tu malade? M'a pas allumé les lumières tout de suite, j'ai besoin de mes amadou. Amadou, moi ça, amadou, on peut sauter, ouais. Je sais pas pourquoi je me penche. Hiérarchie. Je sais pas si vous voyez ce qu'ils écrivent à l'écran. Je sais pas si vous voyez ce qu'ils écrivent à l'écran pendant les loadings. Je sais même pas si les loadings sont coupés par le programme d'enregistrement. Parce qu'il y a des jeux qui le font, d'autres que non. Oh, de la littérature. Ça, je crois que c'est de l'allemand. Je peux pas comprendre ça, moi. Let's! Oh merde, en plus il fait noir à cette heure, là. La flotte. Non, mais il y a des sérieux problèmes de tuyauterie, ici. C'est quand je vais me trouver une putain de lampe pour voir de quoi, ici. C'est sûr que j'ai mis les gamas un peu plus élevés. Justement, pour pouvoir voir un peu mieux. C'est quoi, ça? D'où c'est que ça sort, tout ça, man? Ah, ça a disparu. Ok. On dit qu'on n'a rien vu, nous autres, aussi. Non, mais d'après moi, c'est pas juste l'alcool que t'as abusé de cette soirée-là, le grain. Pour voir des trucs de même. J'ai ça, il y a des trucs. Il y a des bruits partout, mais tu sais jamais si. C'est de quoi ou pas. Hello? Il n'y a là personne. Sauf une plante suspecte dans le fond qui a de la belle. Tandis que tout le reste partout, c'est tout des. C'est le gros fond. Non, mais... Wow! Fermez les... Oh. Hello! Oh! Non, non, dessus. Oui, voilà! F pour allumer la lanterne, F pour l'éteindre. Et bon, ouais, j'ai pas beaucoup d'huile là-dedans, on ferait mieux de pas l'abuser, bon. À moins qu'il y en ait là-dedans. Non, c'est de la madou encore. C'est de ta faute, oui, hein? Je savais que t'avais un complot contre moi. Tiens! Hein? Je t'ai tué. Est-ce que je vais là, moi? T'as payé tu un bouton? Un bouton pour courir, oui, c'est bien. Ok, c'est un cul-de-sac. Un petit
petit peu de lumière. Ah, il y a des torches aussi. Ah, c'est bien. Ah, merde, elle s'ouvre dans l'autre sens. Ah, mais il y a une putain de mouche qui se promène à me gosse, les coliques. Sérieux? Je crois que ta pioche va finir par tomber en morceaux, le grain. Y'a rien? Ok. Je sais pas, ça va être là d'un indice ou une idée, moi. Yay! Y'a-t-il quelque chose dans le feu, non? Même pas non. Ok. C'est pas moi, il faut peut-être de quoi pour alimenter le feu. Ça fait un bout, j'ai pas joué là, j'ai joué un peu, j'ai pas fait le tour. Voyons! Ok, tu focuses vraiment là, toi, là. Je sais pas, moi, je checkerai partout autour avant d'aller là. Boîte d'al... Ben, peut-être pas des boîtes, mais des... Ouh, les potions! Ah non, ça fait pas de la lumière, les potions. Oh, un levier. Oh, un passage secret. Mais... Avant de prendre le passage secret, je veux quand même. Voyons, vraiment c'est ça. 19th of August, 1839. Mm-hmm. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Aucune idée. Don't be afraid, Daniel. Okay. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak. Yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Ok, fait que dans le fond, il me demande de tuer un petit vieux pour se repentir. Il a dû faire quelque chose d'assez louche avec le petit vieux. La porte! Wow! C'est assez flash, mes yeux! Oh! C'est chouette comme endroit, mais c'est tout cassé. Wow! Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Okay. Il y a des drôles de marques. Ah, c'est des pétales! Hello. On a le choix en bas, là-bas, là-bas, puis en haut, là. Moi, checker là. Wouh! Fait que... Ouais! Ouais! Encore des bébêtes sur le sol. Yeah. Oh! Il y a de quoi te cacher ici! Et... Ah merde! Ok! T'as de la peau qui t'a poussé dessus, toi? Juste... Oh! Oh!
ça sonne gluant. Bon, ok, on se pousse. on va aller voir, on a en bas, puis là-bas, puis en haut. On va aller voir en bas d'abord. Elle! C'est résistant et flexible. Ce ne peut être cassé ni à la main ni avec des outils. Note, ok. Retour, journal intime, non. Memento. Des pièces de tissu organique bloquent l'accès à la raffinerie. Est-ce qu'ils peuvent être dissous? Oh, faut trouver de quoi dissoudre ça. Ok. Non, mais je sais pas quel bord prendre, fait que j'ai fait ça de même. Bon. Il y a une porte ici, il y a une autre porte là. Laboratoire. Oh, hey, arrêtez les effets là. Ok. C'est le cerveau qui part en vrille. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ok. Ok, juste quand même regarder là. Non. Oh! Tu me cachais ça, enfoiré, hein? Rien ici? On va essayer d'économiser la lampe, là. C'est... tout ce que sur le plancher. Bon, on va voir. Checker s'il y a de quoi de cacher en dessous de... Non, y'a rien? Ok. Hey, les petites bébites sur le sol, on dirait que c'est des serpents, man, quand t'es en temps. Rien de caché. Hey, torse-toi, toi. Non, rien de ces étages. Oh. Ah, j'ai ramassé de l'huile. Bon, on va aller voir ça. Ah. Oh! Il y a l'air d'avoir quelqu'un au-dessus. Oh! Oh, il y a quelque chose là-dedans. Un peu! Tiens! Ah ah! Tu te calmes, Master! Oh! Il me manque une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences. À altérer mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock. Certains ne peuvent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et seront difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans la cave à vin. Ça paraît pas, mais des fois, un peu nerveux, je me mets à me gratter un peu, à gauche et à droite. Comme si des petits points qui me disaient, hey, toi, calme-toi le pompon, là. T'es en train de faire des conneries. Fait que si vous me voyez me gratter partout, là, ben c'est peut-être normal. Oh, oh, il faisait noir, là, je voyais plus rien. There should be more coop rats. And one part aqua force. The further. Okay. Oh, I'm a dude. No. Okay. Oh, tapu. I'm a dude.
Ah merde, t'es en train de virer. Regarde, y a-tu de la lumière? Ben oui. Putain! Pourquoi allumer ici? On fouille un petit peu les tiroirs. Rien du tout. Toi là, t'es dans mon chemin. Sac ton gars. C'est quoi ici? Tant pis, avant je vais ramasser. Flacon chimique. Ok, c'est le flacon chimique, c'est pas du stock. Il y a du stock chimique qu'il y a dans le flacon. Hein. C'est ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et leur piment sont une garantie et le cuprite les maintient bien ensemble. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau régale. Hein, de l'eau forte par de l'eau régale. Non, mais il y a plusieurs sortes d'eau, là. Moi, je pensais qu'il y avait de l'eau, puis de l'eau salée, puis de l'eau pas propre, genre. De l'eau déminéralisée, ce genre de truc-là. Mais de l'eau forte, puis de l'eau régale. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec. La solution est très acide et résulte à être inutilisable sauf pour servir de détergent. Le tissu organique réagit très violemment à la solution et devrait être manipulé avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre espoir de pouvoir un jour trouver une solution alchimique pour me sortir de là. Fait que dans le fond, ils viennent me donner la recette pour... Ouais. Ils viennent me donner la recette pour pouvoir me débarrasser de la truc de peau qui poussait partout. Un jour, je reviendrai. Si ce n'était pas pour moi, mon amour, je pourrais pas continuer. Quand je dois faire des choses terribles, je pense à toi pour me réconforter. Tant que je peux penser à toi et espérer une vie à deux, je sais que je suis bien meilleur que les autres. Je pleure pour eux. Ils ont une ambition sans limite dans leur quête de pouvoir, alors que moi, je ne veux qu'un jugement qui soit juste et un retour assuré. Mais c'est quoi ce truc? Bon, ben moi je peux sortir d'ici d'abord. J'ai fini ce coin là. Ok! Je sais pas si vous voyez les messages pendant les... J'ai pas trop envie d'aller voir. Bon, ce que je disais, c'est que je sais pas trop si vous voyez les messages quand que... pendant les loadings. Hein. Mais c'est des trucs assez bizarres qu'ils écrivent. Bon, ben moi je me pose ici. Cadavère. Fermé à clé. Oh, moi je suis... Hey, j'ai pas l'habitude encore de jouer dessus. Hein. Espèce de tissu organique, blablabla. Tiens, tu vas essayer dans le. Ah, moi, c'est vrai, tous les ingrédients sont là-dedans, mais je peux pas y aller tout de suite. Faut vraiment que je monte en haut. Hein. Excusez. Get away from me! Ben ouais, toi. Sérieux, il doit faire fret en hiver ici. Avec tous les courants d'air. Oh, Amadou! Il était caché là. Tabularium. En français? Please. Archive. Oh, ok. C'est beaucoup plus facile à comprendre quand c'est en français. Ah, il y a un escalier ici. Ah, c'est bloqué. Oh, Amadou! Oups. Recule, recule. Non, mais. Va donc. Voilà. Juste pour dire que j'étais trop haut pour pouvoir le pogner. Bon. On va là.
Ok. Je suis dans la lumière. Restez dans la lumière. Library. Ok. Library en anglais, puis bibliothèque en français. Ça doit être un jeu allemand, je m'en peux plus. Il y a un truc ici, mais je vais le checker après. Il y a rien là? Il y a là non plus. Il y a là non plus. Oh, une statue! Hello, toi. Ok, il y a rien ici. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Catalogue. Ok, c'est des trucs répertoriés dans le fond. Catalogué dans le fond. C'est comme une sorte d'archive dans le fond. Ouais, je sais que ton cerveau va pas bien là, parce que tu fais le noir. Ok, t'es dans la lumière là, ça va. Bon. Merde, une place de paumé. Oh! Le contrat de Will... comment tu dis ça, toi? Par la présente, j'offre toute mon attention et mes services à Alexandre Baron de Burenberg. Ce contrat sera valable pendant 3 ans avant que je puisse récupérer ma liberté, qui plus est, Alexandre, le baron de Brennenberg, va recommander mes services à la cour royale prussienne, et au sein du repère de l'ordre de l'Aigle Noir. Faites qu'aucun homme ne rompe cet accord. William Masson de Gerich. Moi, tu sais, il aurait pu donner des noms plus simples comme notre personnage principal. Il s'appelle Daniel, c'est bien plus simple. Hein? Ah, un peu de lumière. Non, il est en train de fliquer. Un léger mal de tête. Bon, c'est tout. Attends un peu. Là elle est pleine. C'est quoi qui est marqué ici? Studium, étude. Et ils étudient quoi ici? Il y a des drôles de bruits partout là. On dirait même qu'il y a un gars qui arrête pas de se plaindre depuis tantôt là, genre Hip! Des livres. Qu'est-ce que c'est? C'est une poussière, quelque chose qui m'a envoyé dans la face là-dedans. Amadou! 17th May, oh. 1839. My hands tremble as I write. Pas les miennes. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burnt faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me.
I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. Oh. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ben, faut croire que tu t'en es sorti pour te rendre jusqu'ici, la graine. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'elle dit, c'était marqué. Ça me tente pas de le lire. Tape un petit peu de lumière, là. C'est quoi ça? Hey, hey, excusez, je voulais pas qu'on sorte la porcelaine. Elle est partie de ma main. On dirait qu'il y a du monde qui marche, pas trop. Hein. Vieux livre. Un peu, il n'y a pas de map, c'est vrai. Il y a de la musique qui joue. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, ça arrive là? Non. Voilà, voilà. Oh! C'est la madou! C'est la madou, Oh! Un coffre. En fait, je peux même pas t'ouvrir. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dedans, vu que je peux le garocher aisément. Rappelez, moi j'arrive d'ici, j'étais là. Ok, c'est là-bas. Je suis en train de me... Allume un peu de lumière avant de virer fou, man. Juste regarder. J'ai combien d'amadou, moi? 17. Ok. Par où j'ai passé, moi, là? Je me rappelle pas. Pas de cette pièce là, moi. Bon, allez checker celle-là. Ah, oh, elle est fermée à clé, ok. C'est quoi qui est marqué? Histoire locale. Ok, fait qu'il veut absolument que je passe par ici. Hey, le piano! Moi, je voulais faire un solo. Doudou. Non, je peux même pas pied dessus. Oh, méchant tableau, toi, chose. Il y a un chemin noir là-bas. C'est toi qui chatouille. Excusez. Je vais aller regarder l'autre bord. C'est bizarre. On dirait qu'il y a de quoi de spécial. Non, c'est peut-être juste moi qui me fais des idées. Oh, ok, c'est les garnottes sur le... Hé, hey, tabouin. Regarde, je suis pas sûr de vous aller là, moi. Je vais aller checker l'autre bord. Et merde, tu parles d'une place de fou. Oh, non. C'est le début, c'est par là que je suis rentré. Oh, merde, faut vraiment que j'aille voir où est-ce que l'autre qui a fait... De... Où est-ce qu'il y a eu le bruit bizarre de... Comme un bébé monstre qui collait sa maman, genre. Une cheminée, y a-t-il quelque chose ici? Non? Yish. J'espère que c'est du vin, hein? Tac, tac! Personne? Oups.
J'ai pas encore l'habitude de... Sur Oblivion, c'est tout le temps le E pour sélectionner les trucs, mais là... Genre, le E, c'est pour se tasser... Ok. J'ai regardé. Ok, j'ai encore bien du jus. Un parchemin secret! On s'en fout. Plein de parchemins secrets partout! Plein d'étages. Ah, c'est pour ça qu'il y a plein de... J'ai rien touché, moi, là. Ça a tout pété tout seul. Bon, on va aller ici. On va éteindre la lampe, là. Ça fait un bout que je l'ai allumé. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, il y a quelque chose. Coucou. Ah. Pourquoi il y a du piano qui joue quand il n'y a personne au piano? Ah, mes yeux! Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Oh! Fait que c'est des plans. C'est bien, mais ça ne sert pas grand chose. Je crois que je vais checker. Fait que ça me gosse le bruit, genre comme s'il se craquait la tête. Là. On voit qu'il y a des bébites qui fouillaient dans le crâne. Ah ouais, message. Ah merde encore! Mais qu'est-ce qui se passe? 17 May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Vraiment, la caméra, il vaut du sel, hein? For me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Hello? Pétage de yeux. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Bon. Il était traumatisé, c'est pour ça. Là. Il n'est pas habitué de se faire enfermer dans une. dans. Je sais pas trop, genre une vieille place, là, une pyramide, peu importe. Oh! Hey, hey! Salut, je suis dans la place. Ah non, pas encore! Non, mais je suis pas avec. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Okay. Ah. Trouver les clés, une sorte de mécanisme secret. Ah, maudite mouche. Bon, il fait qu'il y a un mécanisme. Problème pour pouvoir ouvrir ça. Puis ça s'active avec. Maudite mouche. Ça s'active avec deux. Ah.
Oh. Ok, mais you l'autre? Hey! J'ai même pas le temps de fouiller, voir ce qu'il y avait. Un peu. Je vois pas rien, moi. Bon. Toi, là! Ok, je peux pas casser ça avec ça. Mais il y a un putain de truc là-dedans, je peux checker. Y a-t-il quelque chose que je peux prendre pour fracasser ça, moi? Ah, c'est là qu'il y a l'autre livre. Bon. Ok, il y en a trois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fais chier, toi! Excusez, c'est mon seul, il me fait des siennes. Ah, ben peut-être qu'une brique. Qu'une brique. Je vais pas ramasser de brique, va chier. Bon. Puis il m'a poigné ça, il m'a cassé avec. Ben! Ce jeu de quoi, je vais aller chercher. Oh! Hallstatt et le château de Brandenburg, 1801. Oh, ça date pas de guerre. Hallstatt est une région riche en traditions située dans des profondeurs des bois de l'Est prussien. Pendant des siècles, des histoires ont entouré le village et son voisin, le château de Brandenburg. Il n'y a pas de plus... Il n'y a pas plus pittoresque ces montagnes parsemées de forêts silencieuses et de lacs dispersés, bien que la zone soit hantée par l'obscurité. Demandez aux habitants et vous obtiendrez alors les preuves de la superstition répandue. Tous les voyageurs devraient se livrer dans ce genre de conversation qui est qui les divertiront à coup sûr. Tous ont leur propre version de l'histoire, mais force est de constater que certains éléments subsistent. Chut, il y en a du texte. Le collectionneur. L'histoire remonte au temps de la guerre de 30 ans. Il est dit que les soldats qui abandonnaient le front se perdaient dans les bois obscurs et froids et se retrouvaient à tout jamais condamnés à errer sur ces terres. Leurs corps transformés par leurs armes corrompues les ont laissés défigurés et dépourvus d'essence. Ok, mais c'est pas pire pour avoir de l'essence, hein. Faudrait pas se mettre en feu. Beaucoup les ont entreperçus au cours des années et les décrivent aujourd'hui comme des abominables revenants. Ooh. Ils se déplacent silencieusement dans les bois, apeurés par la simple présence de visiteurs. On les appelle les collecteurs. Ah, oh, c'est pas collectionneur, c'est collecteur. Et t'as beau, j'y trouvé des fois. En référence à leur supposée ambition visant à voler des êtres vivants. C'est leur proie qui peuvent être entendues au loin, luttant au fond de sacs de juste humides qu'ils transportent derrière eux et révèlent leur présence. Que peuvent-ils bien comploter? Une visite inachevée. Au début du 16e siècle, Heinrich Cornelius Agrippa. Ok, c'est son nom Agrippa. Moi, je pensais que c'était... Ok. Le très célèbre érudit visita Hallstatt. Pendant une dizaine de jours, il résidait au sein d'une auberge locale à la recherche alors des restes de royaumes révolus. Pendant son séjour, toute l'élite de la société avait notifié sa présence et c'est pourquoi il est de ce fait mentionné dans un bon nombre de registres de l'époque. Un jour, il a disparu alors qu'il s'en était allé inspecter un terrier dans les clairières au nord-ouest. Heinrich est décédé à Grenoble 10 ans plus tard. Il a nié l'idée même d'avoir un jour visité Hallstatt. Qu'est-ce qui s'est-il alors passé? Qui était donc cet homme qui est un jour rendu dans le village silencieux et ses bois et
que lui est-il arrivé? Il s'est fait violer, je sais pas. Le baron immortel. Le baron immortel de Brunnenburg vit une vie de solitaire avec sa famille dans un château tout près d'Alstad. Comme tous les sangs nobles, il a hérité des rumeurs de sa famille qui l'ont poursuivi avec son titre. On ne sait pas grand-chose de ce qui... De ce qui a pu se passer avant que le château ait été consumé par les flammes vers la fin du... 16e siècle. Tantôt, il avait écrit en chiffres, là, il l'écrit en lettres. En chiffres romains. Il a par la suite été reconstruit par Alexandre, un noble de Rhénanie. Et tabou, y a-t-il des problèmes de reins là-bas? Réclamant alors le rôle du protecteur de l'État prussien. Alexandre a permis à la région de prospérer et est resté populaire durant toute sa vie présumée. La famille a toujours été très réservée quant à la lignée et à son héritage. C'est pour cela que la mort et la naissance d'Alexandre et de ses enfants n'ont jamais été officiellement enregistrés. Ces faits ont amené la population à croire que le baron était en fait la même personne venue de l'Ouest quelques 300 ans auparavant. La même personne ayant vécu pendant la période de l'occupation et la même personne ayant rejoint l'ordre de l'Aigle Noir, accompagné des plus grands leaders de ce pays. Leader, il est même pas traduit. Non, mais il était long, le speech. Bon, ok, on va activer les trucs. Merde, ne mets-toi pas dans mon chemin. Allez! Et voilà! Ok, y'a rien ici, c'est quoi? Ok. Hey, ouvre-toi! Ouvre-toi! Oh, un autre message. Oh merde, un autre truc, allez. Au moins, c'est juste un. Hey, pas grave. William. Comment tu prononces ça, man? Et ces hommes de main ont mis en péril mes recherches depuis bien trop longtemps avec leur méconnaissance totale du fonctionnement des récipients humains. Des récipients humains? Le shérif garde un œil attentif sur la forêt et tue mes domestiques les plus dignes de confiance. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils trouvent le chemin jusqu'à Brunnenburg. Je dois enfermer Willem et ses sbires pour qu'il n'y ait plus d'enquête. La cave sera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Les hommes du roi peuvent choisir de partir ou bien de mourir de faim. Qu'importe ce qu'ils choisiront, ils peuvent tous aussi bien pourrir ici. Peut-être qu'en leur donnant du vin, ces deux problèmes pourront être plus ou moins résolus. Yeah, tu vas les saouler pour essayer de résoudre un problème. Mais merde! C'était quoi ça? Oh, il y a une porte ici. Ah ouais, c'est la clé de c'est la clé de... Oh! Oh merde, j'ai des frissons avec mon poignet, man! Je suis obligé d'aller par là! Moi, je me pousse au plus
Christ de là, sauf! Ah merde, faut que j'aille. J'ai appuyé la... Merde, y'a du truc qui a poussé partout sur le sol! Faut vraiment que j'aille là-bas, moi, crème. D'accord, ce que m'a fait, ça fait un bout que j'enregistre. On va finir la vidéo ici. Puis on va en faire d'autres là-dessus plus tard, donc... à plus!